Hey, salut les amis. Voilà, on est le 22 octobre 2022. Il est 5h15 du matin. Et je suis parti pour aller faire une petite pêche au feeder. Donc j'aurai une canne au feeder et une canne à la batterie. Dans un petit étang pas très loin de chez moi. Histoire de m'amuser un petit peu. Mais bon, le temps, il est pas ouf aujourd'hui, il est vraiment pas ouf. Il pleut à verse, déjà avec un réveil ce matin, ça n'avait pas trop envie d'y aller, vu le temps, mais bon. L'appel de la passion m'appelle. Donc, on va vite se préparer. On va préparer ses affaires de puits. Et let's go la pêche. Pour de prochaines aventures. Voilà, je suis arrivé au bord de l'eau. Pas mal de pluie. C'est un peu la galère pour s'installer. Mais bon, ça va le faire. On va vite monter tout le matos. Et se mettre en condition de pêche. Voilà, le temps de m'installer, je vais vous expliquer un petit peu un de mes montages sur la première canne. Sur l'autre canne, je vous ferai voir aussi l'autre montage. Donc là, un truc tout simple. Un petit feeder, c'est une petite cage en plastique avec une petite plombée ici, avec une barre, voilà, système coulissant forcément, avec un caoutchouc qui est aussi. Ça fait que quand le poisson tire un peu violemment, il se fait auto-ferrer avec le petit plombage que j'ai mis derrière. La dernière fois que j'ai utilisé ça, ça avait pas mal réussi. Un petit hameçon, voilà, sans cheveux. On va mettre que de la graine dessus ou tout ce qui est. Asticots et vers de terre. Sur cette canne-là, on va faire ça. Déjà, on verra bien. La fanière, ça avait bien payé. J'espère que ça va encore payer aujourd'hui. Voilà, je vous ferai voir mon approche. Donc, le feedback en question, je vous ai parlé. Avec de l'amorce et juste un petit maïs pour commencer. L'amorce que j'utilise, c'est une amorce maison où j'ai incorporé des bouillettes de chez LT Bouillette. Franchement, avec les bouillettes, de très très bons produits. La dernière fois que je suis venu à la pêche ici avec des produits de chez LT Bouillette, j'ai eu de très très bons résultats en espace de 3 heures de pêche, même pas. J'ai dû sortir une dizaine de poissons, même pas 3 heures. Donc voilà, petit clin d'œil pour mon ami Lucien de chez LT Bouillette. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook s'il le faut. Vous allez voir à petit prix et avec des produits de très très bonne qualité. Bon, pour revenir à mon amorce, donc c'est une amorce maison, j'ai mis quelques graines et aussi des micro-pelés. Alors c'est pas facile, ouais, voilà, j'ai installé de micro-pelés, pardon. Donc voilà, on est parti sur ça et on va voir ce que ça va donner. Voilà, après plusieurs décroches, là, petit carpeau qui commence à arriver là. À piquer. Magnifique. C'est pas gros, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, le jour s'est levé. Comme je l'avais dit, un peu plus de touches. Je fais encore quelques décroches, quelques carpeaux en plus. Et là, une jolie petite carpe. Voilà. On sert toujours. Petite taille, mais bon, franchement, au feeder, je m'éclate. Très longue, on va faire la jolie combo. À suite. Et encore un autre poisson. J'ai pêché à ras des arbres en face.
Voilà. Hop. Encore un joli poisson. Magnifique. Encore des petits poissons. Voilà. J'enchaîne les départs depuis tout à l'heure. Je dois être au moins 10e poisson facile. Sans compter toutes les décroches que j'ai faites. Allez, c'est reparti. La suite, c'est reparti. À peine posé. J'ai même pas eu le temps de mettre la deuxième canne. Et hop. Poisson. Magnifique. Ça se bagarre bien. Et c'est dedans. Yes. Moi, un petit café vite fait. Tant qu'il y a une petite accalmie, il y a un moment j'arrêtais pas d'enchaîner les départs, les touches. Du coup, on a vite relancé les cannes et on se dépêche de boire le café. Ouf, la suite. Il y a encore un autre poisson. J'ai même pas le temps de dire boire mon café. Le café, regardez, il est encore là, à terre. Il est là, hein. Il est là, le café. J'ai même pas le temps de dire de boire mon café, que ça repart aussi sec. Le poisson est très actif sur le coup. Comme quoi, les produits de chez LT Bouillette, j'ai beau le répéter, sont de très très bonne qualité. Ça fait toute la différence ici, parce que ici, ce sont des poissons très méfiant, très très méfiant. À force d'être piqué, repiqué. Et là, ça fait deux fois que je vais à la pêche avec des produits de chez LT Bouillette, de chez Lucien. Et ça marche, ça donne. Regardez la preuve en image, hein, vous l'avez. C'est un truc de fou. Allez, celle-là, elle a pas l'air vilaine. Elle était harponnée, hein, on dirait. Voilà. Des jolies fiches encore et hop dans l'épuisette. Allez, la suite. Un truc de fou. J'ai même pas trop de relancer les cannes. Notre canne à s'en va. Allez, et encore une. Couleur bien dorée celle-là. Superbe. Franchement. Une tuerie. Yes. Et encore un poisson. Encore un. En train de partir dans les branches de l'autre côté. Joli combat,
toujours dans le même taille. Ah déjà non, ça a déjà un peu bouffé gros déjà. Voilà, impeccable, c'est une barre. Ouf. Yes. Il y a encore un poisson. Oh, je ne les compte même plus. Magnifique. Franchement. Superbe. C'est l'éclair ce spot là. Et encore un départ. C'est un truc de fou. Une matinée de fou. Franchement, ça fait grave plaisir. Certes, c'est, comme je vous le dis depuis le début, c'est pas des gros poissons. Mais franchement, regardez la canne comme elle plie. Ça fait grave plaisir. En plus c'est petit mais ça fait des sacrés combats. Hein. Et c'est dedans. Voilà. Yes. Là, je donne ma petite pêche. Énormément de petits carpeaux. Entre 500 et 2 kg. Franchement, ça fait grave plaisir. On va vite la remettre à l'eau. Et on va terminer cette pêche. Allez. Voilà les amis, ma petite pêche qui va se terminer là. Il reste plus qu'à une canne, on va y arriver. Là, voilà, on va commencer à remballer. Donc dans la remise à l'eau, vous avez bien vu, aucun poisson n'a été maltraité. Tout est bien reparti à l'eau sans problème, vous voyez. Il n'y a rien du tout. J'ai compté une vingtaine de poissons pendant ma remise à l'eau. Franchement, bonne pêche grâce au produit LT Bouillette. Franchement, ça fait toute la différence. Ici, ce sont des poissons très méfiants. Et grâce à ces produits, j'ai eu de très bons résultats. Deux fois que je viens, j'utilise des produits, et deux fois j'ai eu de la réussite. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, donc LT Bouillette. Vous verrez mon ami Lucien, c'est quelqu'un de très gentil, agréable. Il propose des produits d'excellente qualité à des prix super raisonnables. Franchement, et c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Donc n'hésitez pas à aller le trouver, à aller le voir, vous ne serez pas déçus des produits qu'il propose. Donc voilà, sur ce mes amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur ma page Facebook, la Team du Schnorr, ou même me rejoindre aussi sur TikTok, PêcheDada62. Toujours pareil, des vidéos délire, tout ça, n'hésitez pas à venir me suivre par là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.